va avoir droit à un tour plus long que prévu, Triton. Waouh, quelle belle journée! Moi aussi, je suis content de te voir, Triton. Bonjour, je m'appelle Grégoire Dubois et j'habite ici, à Beauchêne. Voici Triton, mon lézard apprivoisé. Il y a une montgolfière dans le parc du village aujourd'hui. Je vais essayer de faire un tour. Il est écrit Triton. Je crois que je vais couper à travers bois. Il faut que je trouve un moyen de traverser ce ruisseau. Il est trop large pour que je puisse sauter. Je suis un arbre, je suis un pin, et je me sens parfaitement bien. Vous êtes prêts? 1, 2 et 1, 2, 3. Le village de Beauchêne est un très beau village. Si on pouvait marcher, on te le montrerait. Et ses habitants sont toujours tellement joyeux. Des nuages dans le ciel jusqu'au feu sur les arbres. Je suis un arbre, je m'appelle Érable, et on me trouve très agréable. Je suis fort et beau, mon tronc est large et je suis très haut. Je sais, je vais sauter en m'accrochant à cette corde. Youpi! C'était drôle. Maintenant, je peux aller au parc. Waouh, regarde cette montgolfière. Bonjour, monsieur Sous-Bois. Tiens, Grégoire. Mes allergies recommencent. Regarde, Tina. C'est ton petit frère. C'est aussi ton petit frère, Nina. Bonjour, Grégoire. Tu aimerais bien faire un tour en ballon, hein? Si tu n'as pas trop peur. Non, j'ai pas peur. Hey, Grégoire, écoute, si tu vas à la librairie me chercher le livre que j'ai commandé, excuse-moi, je te ferai faire un tour de ballon vraiment très long. Waouh, d'accord, monsieur Sous-Bois, je vais chercher votre livre.
Il est écrit « Tour en montgolfière ». Bonjour Grégoire, je m'appelle Zacharie Prime. Ma femme et moi-même étions les premiers habitants de Beauchesne. Si tu vas me chercher mon livre à la librairie, je te ferai faire un long tour de montgolfière, Grégoire. Tiens, bonjour mon fils. As-tu vu la montgolfière dans le parc? Oh oui, papa. Monsieur Sous-Bois me fera faire un tour vraiment long si je lui apporte le livre qu'il a commandé. Tu en as de la chance. Va voir ta maman dans le magasin. Elle te donnera le livre de Monsieur Sous-Bois. Bonjour maman. Bonjour Grégoire. As-tu fait un tour dans la montgolfière? Pas encore maman. Monsieur Sous-Bois m'a promis un tour très long si je lui apportais le livre qu'il a commandé. Vraiment? Quelle chance! Tiens, voilà justement le livre de Monsieur Sous-Bois. Merci maman. Grégoire et le géant. Grégoire avait un pavillon dans le jardin où il retrouvait ses amis tous les jours après l'école. Grégoire aimait effrayer ses amis en leur racontant des histoires de trolls et de géants. Un soir qu'il leur racontait l'histoire d'un horrible géant, un orage éclata et le tonnerre se mit à gronder. Grégoire et ses amis coururent à l'abri dans le pavillon. Soudain, un éclair surgit et à l'oreille du bois se tenait un géant. Boum ! Boum ! Boum ! Dehors, le géant sautait et hurlait. Mon histoire a donné vie au géant ! Dit Grégoire. Écoutez-le hurler ! Dit Éric Porc-Épic. Écoutez-le sauter sur place ! Dit Tania Raton Laveur. Enfin, il s'arrêta de pleuvoir. Et le géant cessa de sauter et de hurler. Mais Grégoire et ses amis n'osèrent sortir du pavillon. Le matin suivant, Grégoire et ses amis quittèrent le pavillon et inspectèrent les lieux. Ils voulaient savoir ce qu'était devenu le géant. Le géant était en fait un vieux pommier. Les hurlements n'étaient que le vent, dit Grégoire. Les sauts étaient en fait le tonnerre, dit Éric Porc-Épic. Tous se mirent à rire. La maman de Grégoire leur prépara un bon petit déjeuner. Et Grégoire ne raconta plus jamais d'histoire effrayante.
Grégoire va à la pêche. Un samedi matin, Grégoire, Triton et Grand-père Dubois partirent pêcher au lac des Pins. Comme c'était la première fois que Grégoire allait à la pêche, Grand-père lui apprit comment faire. Cela s'appelle le lancer, Grégoire, dit Grand-père. Regarde ce que j'ai fait, Grand-père, dit Grégoire. Ne t'inquiète pas, Grégoire, dit Grand-père. Je vais le démêler. Essaye encore une fois, Grégoire, dit Grand-père. J'ai réussi, dit Grégoire. Très beau lancer, dit Grand-père. J'ai attrapé quelque chose, Grand-père, s'écria Grégoire. Oh, je vais t'aider à le remonter, Grégoire, dit Grand-père. Ce n'est qu'un vieux bâton gluant, dit Grégoire. Grégoire n'attrapa aucun poisson ce jour-là. C'est très bien, Grégoire, dit Grand-père. Mais je n'ai attrapé qu'un vieux morceau de bois gluant, dit Grégoire. La première fois que je suis allé pêcher, je n'ai rien attrapé du tout, dit Grand-père. Merci de m'avoir emmené à la pêche, dit Grégoire. Je me suis bien amusé. Moi aussi, Grégoire, dit Grand-père. Grégoire range sa chambre. Pour enregistrer la partie, clique sur Enregistrer. Es-tu sûr de vouloir quitter ?